Bienvenue avec nous sur Channel Lan pour l'autre vidéo. Dans la vidéo, ça nous va le partager ensemble avec vous. Actualité sportive, pas blessé ou à peine rejoindre nous. Meilleure façon capable de supporter nous, c'est abonner. Lorsqu'il est abonné, activez la cloche de notification, quittez un commentaire, quittez un like pour capable de supporter le travail. La démarrer avec actualité sportive, c'est pour avec Hendrik, justement, monsieur lui-même qui a vécu une situation qui est vraiment difficile dans Real Madrid. Il peut jouer même un mythe officiel dans le match pour la saison 2024-2025. Il est vrai qu'il y a encore bonheur. Mais face à Atalanta, dans la Super Coupe d'Europe, il n'a pas joué. Même je tout contre l'équipe Mallorca. Eh bien, l'équipe Carlo Ancelotti, justement, il fait connaître, il n'a pas compté sous Hendrik. Justement, eh bien, l'Italien lui-même, il préférait des joueurs comme Brahim Diaz ou Ada Güler lorsqu'il a fait choix. Ce joueur cap sorti sous banc dans le secteur offensif. Eh bien, journal Relevo, il est venu avec gros révélation, gros information. Il fait connaître Hendrik pour l'instant. Il n'est pas entré dans le plan de Carlo Ancelotti, italien, pas compté sous lui. Et en interne, à Madrid, il fait connaître l'adaptation du joueur football. Il prend les très lents et les compliqués. Eh bien, Staffan estime qu'il doit encore progresser sur le plan physique, tactique et technique. Pour justement espérer gagner en place dans la rotation équipe première club capital espagnol. Et bien là, nous connaissons un joueur qui est très jeune, qui est à peine sorti au Brésil, qui prend le connaît Europlan. Et bien là, monsieur lui-même, jusqu'à présent, beaucoup capable de gagner minute. Et bien, c'est information à la presse espagnole. Monsieur lui-même, justement, et d'après sa rapporté toujours, il est fort probable qu'il y assiste aussi avec la prochaine rencontre Real Madrid intégralement sous bonne touche là. Et d'après nouvelle YouTube, vous faites connaître, et bien, Hendrik, tu as supposé aller en prêt, et monsieur a étudié possibilité ça, et Real Madrid lui-même, tu même prêt pour jouer au football, là, soit aller jouer quelques matchs avec équipe réserve, là, ou bien aller dans un club côté via Pretelli pour être capable de gagner plus de temps de jeu. Voilà donc ces situations jeune international brésilien. Nous allons parler de Thibaut Courtois, monsieur lui-même qui fait gros annonce sur l'avenir dans la sélection pays Belgique. Là. Et bien là, Dominique Codedesco et Thibaut Courtois, nous connaissons monsieur Sao qui n'a pas monté pour A2. Et bien, Portier à Belgique qui confirme ça encore. Nous connaissons qu'il était engagé dans un conflit très ouvert avec sélectionneur Lyon depuis Brassard. Capitaine, en juin 2023, Courtois, qui était renoncé pour y participer dans la Coupe d'Europe, était ça, qui est fait en Allemagne. Eh bien, jeudi 22 août 2024, monsieur encore parlé sous dossier ça et fait gros annonce sur les réseaux sociaux qu'il n'est pas retourné dans la sélection belgique, là, tout autant que Tedesco sélectionnait Diable Rouge. Mais comment Thibaut Courtois parler? Il dit, moi, je vais adresser avec un supporter yo, et fan belgique yo, et équipe nationale. Là. Je suis très fier et très reconnaissant pour me représenter pays ça sous terrain. Et même gens, chaque nanou qui toujours a porté soutien avec Diable Rouge. Je suis privilégié et pour me gagner honneur pour me porter maillot national. Là. Même dans le rêve qui est plus fou, je ne peux jamais imaginer que je fait plus que 100 matchs sous couleur maillot ça. Malheureusement, suite avec événement avec entraîneur là, et après plusieurs réflexions, j'ai décidé pour me parer tourner dans l'équipe nationale là, sous direction Domenico Tedesco. Dans le dossier ça, moi accepté et responsabilité moi. Cependant, côté que m'a regardé vers l'avenir et manque de confiance dans sélectionneur là qui pas contribué avec atmosphère nécessaire là. Fédération avec eux même que moi t'ai gagné plusieurs discussions, accepté position moi et raison qui conduit avec décision douloureuse. Mais cohérente. Je regrette pour moi décevoir plusieurs supporters, mais je crois que je suis convaincu que la meilleure solution pour la Belgique, parce que ça lui-même lui mettait fin avec un débat et pour le permettre avec l'équipe de concentrer sur la poursuite de l'objectif. Merci pour le soutien indéfectible. Voilà, donc c'est comme ça, Thibaut Courtois, monsieur lui-même, lui réagit, je vais connaître que tout autant que Domenico Tedesco. Eh bien, c'est le cas de pays la Belgique, lui-même, il n'a jamais mis des pieds encore dans la sélection ça pour participer dans une compétition. Voilà, c'est comme ça, Thibaut Courtois, lui-même, il réagit. Nous allons parler exactement de
Paulo Dybala, monsieur qui choisit pour rester en Europe, justement, après un gros offre qui sortit en Arabie Saoudite. Et bien, sur compte Instagram, ni attaquant de 30 ans, publie un message pour officialiser choix li pour rester en Italie, plus précisément en équipe à AS Roma. Pour de qu'il dit, merci Roma, à dimanche, li refuse proposition saoudienne. Et monsieur pourra jouer encore en Italie, saison ça, selon Sky Italia, choix li motivé. Pour l'amour qu'il portait pour le club blanc qui s'est à Roma et supporté, il est déjà informé avec la direction en choix et décision est saluée publiquement par Madame Ni ainsi que plusieurs joueurs parmi eux anciens joueurs Paris Saint-Germain qui parlent de Paris Dess justement qui a vu la même équipe ensemble avec lui. Et bien, qui s'est passé en Arabie Saoudite, il y a une offre qui sortit de l'équipe Al-Qadia qui offrit Paulo Dybala un contrat de 75 millions d'euros sous 3 ans. Avec sous 3 saisons, monsieur a fait en Arabie Saoudite, l'étape touché 75 millions d'euros. Eh bien, monsieur lui-même lui refusé offre ça. Même si Joao Cancelo est éloigné de FC Barcelone, mais il y a un autre latéral droit qui est capable d'atterrir dans le club blanc. D'après le journal catalan Journal Sport, Barcelone se route pour recruter Marc Pubil, latéral droit Almeria. Joueur de 21 ans, capable d'atterrir en Catalogne. Je vais pas arriver dans le cadre de près de 5 millions d'euros avec une option d'achat qui est estimée à 12 millions d'euros. Même si Almeria souhaitait un transfert définitif, opération a avancé dans bon sens d'après journal là. Pour Bill, il a remporté médaille d'or dans les Jeux Olympiques de Paris avec l'Espagne. Il a participé dans 5 sur 6 rencontres équipe espagnole et il a inscrit un goal. Arrivé en provenance de Levante en 2023 pour 5 millions d'euros, pour Bill pour le permettre avec ancien club lui a touché 25% dans option d'achat si Barcelone l'évalue. International U21 espagnol, il joue 24 rencontres pour un total de 1 goal et 3 passes décisives avec Almeria, le club andalouan qui définit 19e dans la Liga saison passée et qui a évolué actuellement dans la 2e division. Toujours d'après média ibérique, eh bien, il n'est pas exclu que Vinili capable de pousser Hector Fote surtout vers la sortie dans l'équipe FC Barcelone. Débat a toujours l'ouvri à Madrid concernant un joueur qui a tiré penalty, même si nous avons Rodrigo lui-même l'a shooté plusieurs corners, mais qui est-ce qui va être capable de tirer penalty? Eh bien, Carlo Ancelotti avec tout le staff technique doit prendre une décision justement pour connaître qui est-ce qui va tirer penalty. Il est vrai que Junal Maka lui-même l'a sorti une nouvelle côté qu'il devait connaître que c'est Vinicius Junior qui va tirer numéro 1 dans cause penalty. Et puis, Kylian Mbappé lui-même, il va venir tirer numéro 1 dans le coup franc qui après surface là. Eh bien, nous parlerons d'après une statistique justement qui sortit, nous parlerons comment que, eh bien, au classé, joueur qui gagne plus belle ratio. Yo. Mais en conférence de presse avant ça, italien Carlo Ancelotti, il te répond une question ça, monsieur te dit, moi, je vais décider avant chaque match, Mbappé, c'est un bon tireur de penalty, même Jean Vinicius Modric, c'est un bon tireur aussi. Eh bien que, d'après statistiques, il estime que 4 joueurs paraissent intéressants pour d'après penalty dans le Real Madrid. Il a commencé par Luka Modric, qui est un habitué dans l'exercice, qui gagne de très bons résultats croatlan. Eh bien, avec Real Madrid et la Croatie, il convertit 23 sur 29 penalty, soit un taux de réussite de 79.31%. Et puis, c'est Mbappé tout. Lui-même qui gagne un taux de réussite dans l'exercice, Mbappé a tenté 51 pénalty dans la carrière et lui réussit 42, ça qui bat un pourcentage de 82.35%. Et puis, il y a Vinicius Junior et Jude Bellingham, de l'autre star Real Madrid, deux joueurs qui ont un taux de réussite qui est vraiment excellent, supérieur à Kylian Mbappé, mais un volume qui est très très inférieur. Ça qui complique le choix Carlo Ancelotti pour Jude Bellingham. Monsieur lui-même l'a essayé à 3 reprises, une fois avec le Real Madrid et 2 fois avec le Borussia Dortmund. Et à chaque fois, Jude Bellingham lui fait trembler filet. Eh bien, en ce qui concerne le Brésilien, a parlé de Vinicius Junior. Monsieur lui-même l'a marqué en seul dans 5 tentatives et l'a marqué esprit, surtout fanatique Real Madrid. Et puis, il y a tout Rodrigo, justement, Rodrigo Goes. Eh bien, monsieur lui-même, qui paraît être un joueur tout qui t'a supposé que possibilité ça paraît devant lui, mais Rodrigo
c'est jeune Madeleine qui gagne moins de réussite que joueur qui ne saute cité là, puisque sous 5 tentatives, monsieur connaît 2 échecs. Voilà, c'est statistique et Rodrigo, rassure Rodrigo. Et si ça fanatique, pas oublier si vous avez rejoint nous sur channel là, n'a invité à abonner, activer cloche de notification, quitter un commentaire, quitter un like, partager vidéo ça.